c'est vraiment bien, bien fait. Good afternoon, guys. Welcome back on African Crypto Media. I want to remind you what this year Ferro Web TV is all about. You know, e-commerce, digital economy, blockchain, cryptocurrency, and all. But today, we're following up again with our model, the book, Le Modèle Sim, entitled How to Become a Crypto Millionaire. And for the first time in the history of literature, we have two invitees. You will have to see them just right after the video. But remember that for those who like to purchase the book, it's on our e-commerce site, Lee Market, so www.leemarket.net for the single and simple sum of just 15 Limo dollars or 11,000 francs CFA for those who would like to pay in cash. So watch the video and we'll meet right after. Le CIO de Global Investment Trading, Émile Parfait Sim, ne tarit pas d'idées ingénieuses tous les jours de sa vie. Il ne se limite pas seulement à produire dans son disque dur cérébral, qui s'exprime certainement en Tera. Il a beaucoup d'audace. C'est cette audace accompagnée d'une bonne aura qu'il distille autour de lui. Sa cible privilégiée est la jeunesse. Cette jeunesse qu'il veut sortir des sentiers battus du travail conventionnel, du fonctionnariat. Il veut une jeunesse qui se prend en charge, celle qui est inventive et audacieuse. Ça, c'est le livre du millionnaire. C'est le livre du millionnaire. Tous ceux qui prendront le temps de lire ce livre, de faire une lecture littéraire, deviendront riches dans les deux prochaines années. À toi, mon cher Aristide. Puis ce livre t'apporter beaucoup de savoir et connaissances afin que tu deviennes un crypto millionnaire. Il aime à le dire, votre seul obstacle sur le chemin de la réussite, c'est vous-même. Son leitmotiv, oser réussir. La réussite n'est plus qu'un simple horizon, mais la réalité prégnante dans laquelle vivent de nombreux jeunes crypto-millionnaires qui prennent exemple sur le modèle Sim. C'est bon. Bonsoir à vous chers internautes et bienvenue encore sur notre chaîne African Crypto Media. Si vous nous écoutez, n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes Facebook et YouTube. Et comme je le disais, aujourd'hui nous recevons deux gourous de la lecture et de l'écriture. Vous les connaissez peut-être déjà. Ils s'appellent Monsieur Ele et Dr Mumi de Bakonji. Dr Mumi, auteur du livre Le Modèle Sim, comment devenir crypto millionnaire. Bonsoir Dr Mumi. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous les téléspectateurs de African Crypto Money Media. Bienvenue sur African Crypto Media. Bonsoir Dr. Eli. Bonsoir Myriam et merci de nous faire encore le plaisir de nous inviter. We are glad. Ok, dans le chapitre 5 de l'ouvrage Le Modèle Sim, il est écrit à la page 70, notre modèle l'aurait peut-être lu, ce précieux conseil du président Nelson Mandela qui dit « Si vous voulez être un grand leader, il faut toujours être en train de lire. » Docteur Mumi, que pensez-vous de la lecture, surtout sur le plan social? Alors, je dirais, Amia, merci beaucoup pour la question, la lecture est un grand facteur, un important facteur
de développement personnel et un facteur de développement organisationnel et un gros facteur de développement sociétal, dont le livre est comme une essence essentielle qui permet aux gens de se développer et qui permet à notre société de se développer et qui permet à une nation de se développer. Donc c'est la clé, n'est-ce pas, de la substance du développement personnel, du développement organisationnel et du développement sociétal. D'accord. Déjà, ça cadre dans le thème de notre édition de Literature d'aujourd'hui, la lecture. Alors, Monsieur Hélé, dans la suite de notre lecture du modèle CIM, aux pages 113 et 74, notre modèle conseille à tous de lire selon l'auteur à travers les mots suivants. Lisez, vous n'en serez que plus enrichi. D'abord, intellectuellement, si vous y réfléchissez, et ensuite, psychologiquement, si vous intégrez la profondeur subconsciente et l'effet de la lecture. Enfin, vous serez enrichi matériellement et financièrement. Selon vous, Monsieur Hélé, que voulait dire notre modèle par là? Merci pour la question. La première des choses qui est indispensable ici, et le docteur l'a souligné tout à l'heure, c'est que la lecture, n'est-ce pas, apporte beaucoup sur le plan du développement personnel de l'individu. Et c'est pour cela que lorsqu'on évoque l'aspect intellectuel, la lecture enrichit l'être personnellement, intellectuellement. Et puis maintenant, sur le plan psychologique, on adopte donc un ensemble de comportements qui vont permettre à l'homme, n'est-ce pas, non seulement de se développer lui-même, mais de développer, n'est-ce pas, son environnement et d'impacter de manière durable sur cet environnement. Et cela ne s'arrête pas à ce niveau. Il faudra comprendre que sur le plan matériel, n'est-ce pas, la lecture apporte à l'homme, n'est-ce pas, des richesses matérielles qui concourent à son épanouissement. Et comme nous sommes dans un milieu, dans un monde aujourd'hui où sur le plan financier, on a également besoin d'être loti, donc la lecture apporte donc également des précieux éléments sur le plan financier. Et je voudrais évoquer ici, par exemple, le cas du docteur Moumi, n'est-ce pas, qui est un grand lecteur et dont l'histoire, n'est-ce pas, montre que la lecture a forgé l'homme qu'il est devenu aujourd'hui. Il a forgé le modèle, n'est-ce pas, qu'il représente à nos yeux aujourd'hui. Donc la lecture est indispensable et la trajectoire du docteur Moumi, n'est-ce pas, cadre bien avec la phrase qui nous est proposée ici. Merci. Ok. Oui, merci. Si vous permettez, compléter. No problem. Parce que c'est vraiment essentiel pour les jeunes Camerounais, les jeunes Africains qui nous regardent. Parce que j'aimerais dire que le modèle CIM dont nous parlons, j'ai consacré un chapitre essentiel aux lectures du CEO Émile Parfait, pour montrer aux jeunes ce que la lecture peut faire. Si vous consultez le chapitre destiné à sa lecture, j'ai pris le soin d'énumérer tous les ouvrages qu'il a lus, parce que lorsque nous nous sommes connus, j'ai essayé de voir comment il a bâti sa trajectoire. Et vous voyez bien à travers ce chapitre que le livre a forgé une bonne partie de sa personnalité, une bonne partie de son succès et une bonne partie de sa fortune, parce que j'insiste, parce que beaucoup de jeunes ne se rendent pas compte. C'est pour ça que j'ai consacré dans le modèle CIM tout un chapitre à la lecture du modèle lui-même, pour montrer que la lecture est un grand facteur. Et j'ai consacré une partie à la lecture du modèle CIM, c'est-à-dire que la personne de Bill Gates, qui est le modèle du modèle, pour montrer que Bill Gates également est un des plus grands lecteurs des États-Unis. Donc, Myriam, c'est très important le travail que nous sommes en train de faire. C'est pour ça que je permets de compléter et que le lecteur s'arrête pour voir ce que la lecture a fait d'Émile Parfait, le modèle CIM. Thank you very much, Dr. Moumi. If I should do a recap, the doctor says, since he's the author of the book Le Modèle CIM, and this book, you'll find a list of books that our model CIM, of course, have read, and you know he's a very successful man. So why not glance through these books so you can be one of these people?
Dr. Mumi, it's also in this chapter, enriching chapter, that we discovered that our model, Siam, he actually read the book of Robert Kiyosaki's on multi-level marketing. So what do you think about multi-level marketing? Because it's actually inspired him to create the platform, Liaplimo. What do you think about multi-level marketing, yeah? Okay, yeah. Miriam, thank you very much about that question, because the book here shows how the multi-level marketing can build a personality, how the multi-level marketing can build a company, it can build a society, an entire society. Okay, the marketing multi-level is the powerful, the best way to build a personality, to build an enterprise who have the potential to be in 1, 2, 6, or 10 countries. Today you can see that the way of Liaplimo use the level of marketing can make the possibility of a lot of country. Today we have 25,000 members, 25,000 country who use 75 the practice, countries, the method of the system of Liaplimo. That is the powerful method of marketing multi-level. Wow, this is enticing, because imagine just in a few years, I don't even know if you can count that, but 75 countries for 25,000 members already. It's a great work that multi-level marketing is doing, and so quite inspirational. Thank you very much, Doctor. Remember that these are two famous authors. First, Dr. Joseph Mumi from Bakonji, author of Le Modèle Siam, How to Become a Crypto Millionaire, and other books, of course, and Mr. L.A., famous writer of Blues au Village. Yeah, obviously going to write. Thanks for have watched us. We are getting to the end of literature, but before, I'd like Dr. and Mr. L.A. to give their concluding words. As a concluding word, I will say that it is very interesting for young people, nowadays to read, because by reading, we can become rich, we can become great. Okay. When I was a kid, my daddy used to always force me to read books, actually made me a great reader. Now I am a presenter of literature. I think I'm happy, and if I should advise, well, the same behind there. Doctor, any concluding words? Oui, j'aimerais compléter pour l'aspect financier et du marketing des réseaux. C'est le système où vous pouvez investir moins de 100 000 francs et développer une entreprise qui, en moins de 5 ans, vaut 50 millions, 100 millions. C'est le seul mécanisme qui vous permet de faire ça. Vous avez vu le cas de Liaplimo. Les gens investissent 80 000 francs. Mais avec le temps, le mécanisme et l'effet multiplicateur du système font que vous pouvez arriver à 50 millions, à 100 millions, parce que le marketing de réseau est le seul processus qui puisse vous amener à faire ça. Le président Clinton a dit quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Il dit que c'est le système qui vous permet de vous développer et de développer un grand nombre d'autres personnes à la fois. C'est pour ça que nous conseillons vivement à la jeunesse camerounaise, comme disait le CEO Emile Parfessi, de saisir cette opportunité et d'en faire vraiment le fruit de leur prospérité. Thank you very much. Thank you all, self-writers and watchers, for have watched this other edition of Literature. We saying goodbye. Make sure you subscribe to our Facebook and YouTube channel. You have any question, comment in the comment box below. We shall answer to you and meet you next week for any other Literature edition. Bye.